trouver pour me satisfaire un riche peu beau pour être vrai. M'y remplis tous mes critères en cheveux gris. Que les sincères, oh, ils nous regardent et ils nous charrient. Je m'en fous car je l'ai choisi. Bacoba, 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 peu m'importe car je l'ai. Sugar Daddy. Partagez le direct au maximum. En attendant, on écoute Effie Marcy. On attend quand on sera 5 000, on commence. On est à 4500. Elle s'appelle Effie Marcy, la chanson de Sugar Daddy. Vous savez, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème Sugar Daddy. Ben, si vous avez remarqué, même le Sugar Daddy dans le clip, c'est un jeune. On n'a pas pris un jeune au hasard, en fait. C'est juste que j'ai voulu. Déjà au départ, je sais que les filles, les femmes n'aiment pas assumer ce statut-là, avoir un sugar daddy. Du coup, j'ai voulu parler de ça parce que c'est un thème qui n'a jamais été abordé. Parce que Effie Marcy, elle-même, elle ne se retrouve pas dans ça. Du coup, j'ai imposé ce thème à Effie Marcy et pour moi, je voulais que ça sonne un peu comme un hymne à l'amour. C'est pas une histoire d'âge. C'est pour ça que même le gars qu'on a pris pour jouer le sugar daddy dans le clip est un jeune. C'est pas une histoire d'âge, c'est peut-être une histoire d'argent. Voilà, parce que le plus important, je voulais dire dans ce clip-là que le sugar daddy peut être un gars de 15 ans, peut être un gars de 30 ans, peut être un gars de 100 ans. Le plus important, c'est qu'il sache prendre soin de la femme. C'est pour ça que dans le clip, on a mis l'accent sur ça. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est attentionné. Et les attentions, c'est beaucoup plus... Les femmes aiment les cadeaux, les femmes aiment l'argent. Pour ça, on va pas se mentir, les femmes aiment l'argent. Donnez l'argent à vos beaux, elles seront là. Parce qu'une femme ne va jamais fuir un milliardaire pour aller retrouver un gars qui est fort aux fesses. Même si elle n'a pas retrouvé le gars qui est fort aux fesses, après elle va rentrer à la maison. Donc donnez l'argent à vos femmes. Dans le but. Et le sugar daddy n'est pas forcément un homme marié aussi. Hein. Le sugar daddy, comme vous avez vu dans le clip, ça peut être un jeune qui est juste. Voilà. Qui est juste parce qu'il est tellement attentionné. Voilà, on l'appelle sugar daddy. Donc voilà. Partagez le direct. Dès qu'on est 5000, on commence. Mais vraiment, j'aimerais dire quelque chose. Depuis que j'ai lancé le clip de Effie Marcy, il y a plein de gens qui apprécient. Et moi, ça me fait plaisir.
Parce que là, je suis parti pour produire plusieurs artistes qui ont du talent. On s'est trop plaint que je produisais les fous, les grands baraques, les Ken de Mutongo. Maintenant, j'ai décidé de produire les vrais artistes. Et j'espère que vous avez vu le résultat. En quelques jours, vous avez vu le résultat. C'est tellement magnifique, les gens apprécient. Mais ce que je ne remarque pas, c'est l'engouement des gens. Les gens qui disaient que oh, tu produis les fous. Pourquoi ils ne viennent pas dire cette fois que non, voilà, il a produit un bon artiste. Voilà, on. Tous ces gens-là, en fait, c'est pour dire que les gens aiment la racaille, en fait. Quand tu fais la racaille, on est là, on t'insulte. Mais quand tu fais ce qui est bien, on ne vient pas t'encourager. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a un public qui est très fort et qui soutient vraiment. Et je vous appelle vraiment à soutenir les artistes, vraiment, soutenir les artistes. Et quand je parle de soutenir les artistes, il y a la petite Indira, par exemple, qui a son concert. Vraiment, j'aimerais qu'on la soutienne massivement. Elle a osé, vraiment, elle va aller faire son concert au Palais des Sports. Elle a osé, j'aimerais qu'on la soutienne massivement. Partagez le direct parce que par rapport à cette veste qui est derrière moi, là, j'ai trois choses à dire par rapport à cette veste qui est derrière là. Et ceux qui seront là jusqu'à la fin ne vont pas être déçus. Donc en parlant d'Indira, je disais tantôt que voilà, moi je ne lis pas vos commentaires. Je ne lis pas vos commentaires, donc je ne sais pas si vous avez le bon retour là-bas. Je ne lis pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi je ne lis pas vos commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne lis pas vos commentaires, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Donc par rapport à cette veste qui est derrière, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Donc mais je disais tantôt, par rapport à Indira surtout, c'est une jeune fille qui a osé, tout comme Effie Massi qu'on vient de produire là. Son clip est déjà, le clip d'Effie Massi est déjà à 130, bientôt 150 000 vues en quelques jours seulement. Merci beaucoup. Soyez nombreux et moi, je serai au concert d'Indira. Donc, ceux qui veulent aller, je vais offrir 20 billets. Je vais acheter 20 billets VIP que je vais offrir à ceux qui veulent. Donc, à la fin, je vous donne le numéro. Je vais noter le numéro. Vous écrivez sur WhatsApp, je note le numéro. Ceux qui veulent m'accompagner au concert d'Indira. Ceux qui veulent m'accompagner au concert d'Indira, je mets le numéro. Les 10 premières personnes à écrire. Il suffit de me donner la date et le lieu du concert. Les 10 premières réponses qui seront bonnes. Voilà. On ira ensemble. Donc voilà. Voilà le numéro que j'ai mis et que je vais épingler. Donc vous écrivez sur WhatsApp sur ce numéro-là. Écrivez sur WhatsApp sur ce numéro-là, les 10 premières personnes. 10 billets VIP pour le concert de la belle Indira. Voilà, elle a osé, il faut qu'on l'encourage. Donc voilà. Maintenant, avant de parler de la veste, j'aimerais aussi vous dire que Harold, le petit Harold, est à Yaoundé. Et vraiment, les entreprises qui veulent l'accompagner, vous avez vu, les entreprises qui veulent l'accompagner, veulent le sponsoriser par rapport à cette vidéo. Vraiment, contactez sur le même numéro sur WhatsApp. Et on remercie déjà Ampi Exotique. Vous avez vu, Ampi Exotique a remis 200 000 au bébé Harold. Ampi Exotique, c'est cette société-là qui vend les vivres frais, tout ce qui est exotique en Europe. Vous voulez le ndolé, le bâton de manioc, partout où vous êtes en Europe, on vous livre, vous appelez Ampi Exotique. J'ai laissé le lien en commentaire. Ampi Exotique. Tous ceux qui sont en vaincu, regardez ce direct. Téléchargez l'application Ampi Exotique. Merci Ampi Exotique, c'est ce que vous avez fait pour le bébé Harold qui est là. Et qui fait des vidéos extraordinaires. Vous l'avez vu à la Sia TV, le bébé Harold. Voilà. Voilà, maintenant, je crois qu'il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Je crois qu'il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Non, mais avant, je dois aussi remercier Chat et Yamo. Piment Nanki aussi, ils ont promis quelque chose pour le bébé Harold. Le piment Nanki, c'est un piment de table que vous pouvez mettre dans vos assiettes à la maison. Disponible dans toutes les grandes surfaces. Ils ont promis quelque chose pour le bébé Harold. Piment Nanki, n'oubliez pas le nom. Nanki, un peu comme moi quand j'étais jeune, on m'appelait Yanki. Piment Nanki. Je veux aussi remercier Chat et Yamo parce que Chat et Yamo a aussi promis de venir en aide au bébé Harold. Et voilà. J'espère que vous connaissez Chat et Yamo. Et j'imagine que tout le monde a ça dans son téléphone. C'est une application 100% camerounaise. Ça a été créé par les Camerounais. C'est pour ça qu'il faut encourager ces gens-là. Et ça vient résoudre un problème que d'autres applications en Bénin n'ont pas. Par exemple, si tu es à Bouda et que tu es célibataire, tu veux une fille qui est à Bouda. Les blancs là-bas n'ont pas prévu Bouda dans leurs applications. Donc quand vous téléchargez Chat et Yamo, vous pouvez paramétrer. C'est une application des Camerounais, vous paramétrez et vous
vous avez une go directement à Bouddha. Et ce qui est bien avec Tchatéga, c'est que vous avez, vous pouvez choisir, j'ai l'application là, vous pouvez choisir les profils, non. Il y a celles qui sont là pour le mariage, il y a ceux qui sont là pour l'amitié, il y a ceux qui sont là pour les fleurs, il y a ceux qui sont là pour le nolo sincère. Donc voilà, vous pouvez choisir. Il y a plusieurs paramètres. Et les profils sont vérifiés avec Tchatéyamo. C'est ce qui me plaît là-bas. Donc voilà, on commence. On est 6000, on va commencer. Ah oui, j'ai oublié de dire avec Tchatéyamo que les profils aussi sont vérifiés. Oui. Et qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub avec Tchatéyamo. Quand vous utilisez l'application, les applications qui vous envoient la pub à tout moment là, il n'y a pas de pub à l'intérieur de Tchatéyamo. Donc du coup, et aussi c'est moins cher. Quand vous voulez quand vous voulez souscrire à promo de premium, en Ben là-bas, vous payez combien? 10 000, 12 000 francs, c'est pas. Or, avec Tchatéyamo, c'est uniquement 2 000 par mois. Voilà. Donc, télécharger Tchatéyamo, c'est vraiment bien. Ça, pour trouver la femme du mariage. Ok. Voilà. Je crois que je peux arrêter la musique maintenant. Je vais arrêter la musique. Je vais arrêter la musique pour vous dire quelque chose. Chers Camerounais, chers amis, chers frères. Savez-vous que je viens de gagner 800 000 francs en quelques minutes? Uniquement parce que les Camerounais ne s'attardent que sur les futilités en fait. Je viens de gagner 800 000 francs. Parce que les Camerounais ne savent que s'attarder sur les futilités. J'ai gagné 800 000 francs, vous ne vous rendez même pas compte. Tout ce que je faisais avant, vous êtes plus de 6 000 là connectés. C'était des placements de produits. Et tous ont payé. Tous ont payé. Dédicace à Superman, la meilleure eau du Cameroun. Je viens de gagner 600 000 francs. En fait, est-ce que vous connaissez le principe de l'émission La Reine? La Reine sur la CIA TV. Le but de La Reine, c'est lors du duel. Parce qu'on m'a invité. Le but, c'est embarrasser le maximum possible l'invité. Le but, c'est ça. Embarrasser le maximum possible l'invité qui est là. Attends un peu, s'il te plaît. Non, c'est bon. Et dans La Reine, j'étais dans mon rôle. J'étais dans mon rôle d'embarrasser l'invité. Mais malgré cela, j'ai été très, très... Je suis resté très, très courtois vis-à-vis de cette dame. Nathalie Cohen. Je suis resté très très courtois. J'ai évité les sujets sur sa vie privée. Oui. J'ai été poli. Sachez-le, parce qu'avant l'émission, moi je ne la connaissais pas. Hein. Et mes femmes qui regardent mes statuts peuvent savoir. Parce qu'avant, quand on m'a invité, j'ai mis sur mon statut que moi je ne la connais vraiment pas. Parce que je ne suis pas ses snaps, je ne suis rien sur elle en fait. Je n'ai pas voulu le dire à l'émission parce que c'est trop prétentieux. Mais je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas sa vie. Ils ont demandé aux gens de m'envoyer les questions que je peux lui poser. Les gens m'ont envoyé les choses comme ça. Elle a les ennemis comme ça. Ses ennemis m'ont envoyé les choses sur sa vie privée. On m'a donné les noms des gens que je devais demander à l'émission. Mais comprenez que je suis un gars réfléchi. Il dit, on m'a envoyé les choses comme ça sur elle. Mais j'ai gardé pour moi. On m'a envoyé tellement de choses sur Nathalie quoi. Mais j'ai compris que le but d'une émission telle que La Reine n'est pas d'aller humilier l'autre. Le but n'est pas, parce que là sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que le but de La Reine, c'est lors du duel, c'est de gagner. Le but n'est pas de gagner. Le but au sorti d'une émission comme La Reine, c'est de se dire, qu'est-ce que le peuple camerounais qui nous regarde a appris? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise qui nous regarde a appris? En fait, je pense que c'est ça le but. C'est pour ça que je suis resté courtois du début jusqu'à la fin. Parce que j'aurais pu être mal poli, mais je suis resté courtois. Donc, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous dire une vérité, c'est que malgré les informations croustillantes que j'avais sur elle, je suis resté poli. Et pour ceux qui ont vu, qui ont compris, qui ont vu l'émission, pas ceux qui sont attardés après sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que j'allais quelque part et le but, c'était... à la fin que les jeunes retiennent quelque chose de ce qui s'est passé à l'émission. Le but c'était pas d'offenser en fait d'offenser Nathalie quoi, parce que je ne pourrais pas, je ne peux même pas aller offenser, gars, c'est une femme hein. C'est d'abord une femme qui est mariée, gars,
Elle a connu beaucoup de drames dans sa vie, gars. Ça ne sert à rien d'aller l'offenser. Mais il fallait l'embarrasser. C'était ça le but de l'émission. On m'a invité pour l'embarrasser. Il fallait l'embarrasser. Mais j'ai compris qu'il faut le faire, mais en étant courtois. Parce que je connais des gens, si on les avait invités, je vous jure que la meilleure personne qu'on aurait pu choisir pour cette émission, avec ce résultat-là, c'est moi. Parce que je connais des gens qui ont été cités. Si on les avait invités, je vous jure que cette émission serait finie en bagarre. Et je vous assure que Nathalie connaît aussi une fille facile. Mais ce qui me plaît, c'est qu'à la fin, c'était très convivial, c'était amical à la fin de l'émission. Elle m'a même avoué à la fin de l'émission, et ça, vous ne le savez pas, que non, à un moment, quand elle a dit que la veste est moche, c'est qu'elle blaguait et qu'elle trouve la veste très belle. J'ai aimé ça, je l'ai même pris dans mes bras. C'est ce que vous ne savez pas. Mais toute une émission comme ça, vous vous êtes attardé sur une veste. Attendez. Vous savez, j'aime beaucoup Nathalie Kwa, je vous assure. J'aime beaucoup Nathalie Kwa et j'ai demandé à tous mes élèves que je forme, que j'ai déjà formé, d'être en ligne. Et c'est pour eux que j'ai fait ce direct. Les gars, vous avez vu en fait ce que je vous apprenais. Voilà ce que je vous ai appris lors des formations. Quand vous avez un buzz, que le buzz soit programmé ou pas. Par exemple, le buzz de la veste. Nathalie Kwa n'a jamais dit que ma veste ressemblait à un sac banjo. C'est les Camerounais qui ont pris et qui ont assimilé ça au sac banjo. Je vous ai dit que voilà. Quand vous tombez, quand vous avez... On a jamais la chance dans la vie, plus de deux fois, de faire le buzz. Alors le jour où vous allez faire la chance, vous allez avoir la chance une seule fois de faire le buzz, surfer sur le buzz. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez remarqué quelque chose? C'était moi le premier, quand j'ai fini l'émission, à partager cette histoire de Sam Banjok sur ma page. Et sachez aussi que beaucoup de visuels qui ont été faits, genre pour se moquer de moi, c'est mon équipe, c'est nous qui avons conçu ça. Parce qu'on voulait amplifier le buzz. Et faire ce direct-ci et placer nos produits comme on a placé en début d'émission et gagner nos 800 colos. Les gars, voilà ce que je vous apprenais lors des formations. C'est ce que je vous ai appris. Par contre, Nathalie Kwa, on n'a rien contre elle. Quand je vous dis tous les jours, dans toutes mes formations, j'ai toujours dit, prenez exemple sur Nathalie Kwa. Parce que là où on est là, à part moi qui suis là, je dis non, je mets le cœur, j'aide les jeunes, je fais ceci. Gars, sachez que si vous allez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour blaguer, les gars. C'est pour chercher l'argent. Un peu comme Nathalie Kwa fait là. Quand vous avez le buzz, gars, surfez sur ce buzz-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire là présentement. C'est pas pour rien. Vous savez, les gens ont Instagram. Moi, je suis pas sur Instagram, mais je connais pas. Quand Nathalie Kwa dit qu'elle ne me follow pas, c'est sur Instagram. Déjà que moi, je follow personne là-bas. Parce que c'est que je ne suis. C'est quelqu'un qui gère mon Instagram. Il n'a même pas 50 000 abonnés. Mais Facebook, là, c'est pour nous, les gars. J'ai 730 000 abonnés. Même ma petite soeur Natouche n'a même pas 500 000. Personne n'a 700 000 là au Cameroun, parmi les influenceurs. Et si on réussit à la voir sur Facebook, c'est parce qu'on a réussi à contrôler Facebook, les gars. Et c'est ce que je vous ai appris lors des formations. Savoir créer le buzz et surfer sur le buzz. Et en passant, si j'ai décidé de faire ce direct, c'est pour vous dire autre chose. Surtout aux Gabonais qui nous regardent. Oui. Les Gabonais qui nous regardent, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Par rapport à la veste, tout à l'heure, je vais vous dire la décision radicale que j'ai décidé de prendre. Parce que là, j'ai décidé de prendre une décision radicale par rapport à la veste. Et là, avant de vous dire la décision, sachez que les Gabonais qui nous regardent, sachez que les réseaux sociaux que vous voyez, la Facebook que vous voyez, vraiment, c'est quelque chose avec lequel vous pouvez devenir milliardaire. Vous voyez qu'en quelques minutes, le direct n'a pas encore fait 30 minutes. J'ai gagné 800 000. Juste parce que les Camerounais se sont intéressés à des choses futiles. Les gens m'ont appelé pour me demander est-ce que ça t'énerve. En fait, j'apprends à mes jeunes, il n'y a pas de bon buzz, il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a que de buzz. Il faut seulement savoir comment surfer sur ça. Une fois que tu sais surfer sur ça, c'est toujours bien quand on parle de toi. Vous voyez, en deux jours, je suis passé de 710 000 abonnés à 730 000 abonnés. C'est ça, en fait, le buzz. Et j'aimerais dire aux Gabonais, vous savez, quand je suis arrivé au Gabon, je vais vous dire comment on utilise Facebook. Et ça, nous savons le faire. Quand je suis arrivé au Gabon, tous les Gabonais savent que je suis arrivé au Gabon, j'ai fait un direct, et dans le direct, on a arraché mon téléphone. Tous les Gabonais le savent, et beaucoup de Camerounais même. Eh bien, sachez que c'est une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux. En fait, quand je suis arrivé au Gabon, les gars qui m'ont reçu m'ont dit, les Gabonais, comme c'est nous que tu as choisi pour t'accompagner, les autres influenceurs ne veulent pas partager nos directs et dire que voilà, Steve Fay est là pour former la jeunesse gabonaise.
Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai dit les gars, les Gabonais vont partager. Ça va passer à la télé, même dans les journaux. Mais ils vont le faire sans le savoir. Alors je suis arrivé au Gabon. Et la nouvelle que je vais vous annoncer et que j'ai dit en commençant ma formation au Gabon, c'est que les gars, on ne m'a pas arraché le téléphone au Gabon. Personne ne m'a arraché le téléphone. Et ça, je le dis solennellement aujourd'hui pour vous montrer à quel point on peut vous manipuler grâce aux réseaux sociaux. Sauf que moi, je ne le fais jamais de façon négative, toujours de façon positive. En fait, je vais vous dire une vérité. S'il y a 10 buzz sur Facebook, 10 buzz positifs, sachez que j'en ai créé au moins 8. Et c'est ça, en fait, les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien aux gens, pour gagner de l'argent, pour passer des messages importants. Par exemple, quand je dis qu'on m'a arraché le téléphone au Gabon, dans le direct où on m'arrache le téléphone au Gabon, oh, si le direct n'a que duré 2 minutes, c'était fait de façon consciente. On savait que voilà, on devait dire que Steve Fall est au Gabon. On devait dire où aura lieu la formation. Et après ça, le gars là devait arracher le téléphone. On a une vidéo qui montre tout ça. Et là, les Gabonais ont partagé. Tous ces gens qui nous détestaient ont partagé sans savoir que ce qu'ils faisaient en vrai, c'était de partager en fait le message qu'on avait à passer. Donc les gars, vraiment, je vous conseille les gars, allez sur les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent. Allez sur les réseaux sociaux pour être utile à la société. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour blaguer. Un autre truc que j'aimerais vous dire aussi, toujours les Gabonais qui me regardent, parmi ma formation, parmi les gens qui étaient à ma formation au Gabon, il y a une fille qui m'a dit que, quand je lui ai dit que je peux créer un buzz qui va te rendre star aujourd'hui, elle m'a dit c'est impossible. Je lui ai dit ok, d'accord, je vais le faire. Si les Gabonais, je vais le dire parce qu'il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux c'est uniquement de la manipulation. Mais il faut manipuler les gens pour gagner quelque chose. Ça ne sert à rien de manipuler les gens pour rien. Comme certains gens que vous êtes en train de citer là. Eux, ils manipulent les gens et après, on les voit toujours là en route, monter, descendre. Rien ne change dans leur vie. Oui, Supermon, c'est la meilleure eau. C'est la meilleure eau du Cameroun. Et Nanki aussi. Donc voilà. La fille qui. Il y a une vidéo qui a fait le buzz au Gabon. Pendant que j'étais là. La fille qui mettait le poulet dans le sac au KFC. Je préfère ne pas continuer. Maintenant, je vous dis la décision que j'ai décidé de prendre. En fait, vous voyez cette veste? Voilà. En fait, la décision radicale que j'ai décidé de prendre, tout en vous rappelant... Ah non, il faut d'abord que j'arrête... Vous savez qu'il n'était pas là au départ. Vous savez qu'il n'était pas là au départ. Voilà. Vous savez qu'il n'était pas là au départ. Elle s'appelle Effie Marcy. Les gens disaient que je produis les faux artistes. Là maintenant, je produis une vraie artiste. Je produis une vraie artiste maintenant. Allez regarder donc et partager. Une fille belle, magnifique et qui chante très bien. Voilà. Ni remplir tous mes critères sur le gris. Sugar Daddy, c'est un hymne à l'amour. Gamago, Lago, même si ton gars a 20 ans, s'il te traite bien, s'il te met à l'aise, s'il te donne l'argent, alors c'est ton Sugar Daddy. Voilà, les gars, donnez l'argent à vos femmes. C'est la moindre des choses. Hey, j'ai oublié de dire quelque chose. Elle s'appelle Effie Marcy et elle chante Sugar Daddy. J'ai oublié de dire quelque chose, attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié de dire quelque chose. Avant de parler de la veste, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que, les amis, vraiment, l'expérience, j'ai vécu, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai vécu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris en fait que il n'y a que l'union qui fait la force. J'ai compris aussi que l'humilité précède la gloire. J'ai compris que tout est vanité sur cette terre. Parce que pour vous dire vrai, je suis au-delà de ce que je rêvais quand j'étais petit. Je rêvais avoir une belle maison. Je rêvais avoir une belle maison. Et là, je suis au-delà de la belle maison. Je rêvais avoir une bim-bim,
Je rêvais avoir une belle voiture. Ou mais par exemple, que j'ai acheté, c'est que c'était un rêve quand j'étais petit. Je suis au-delà de cela et je me suis rendu compte qu'après, on court après le bien matériel, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on laisse à la postérité. Le plus important, c'est quel est l'impact qu'on a sur les autres. Et pour avoir le mieux l'impact sur les autres, il faut embrasser tout le monde, être gentil envers tout le monde, ne jamais garder la rancune. C'est pour ça que je suis allé humblement demander à mon frère Malox que vraiment, quel que soit ce qu'il a contre moi, vraiment, moi, je m'en excuse. Et j'aimerais bien venir dans son bar, le Boivement, avec Effie Massi, d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle veut aller là-bas. L'embrasser, le prendre très fort dans mes bras. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est cette division. Tout à l'heure, j'ai vu que Malox est en chantier, par exemple. J'ai vu Stanley qui l'a encouragé. C'est ce qu'on veut dans le showbiz au Cameroun, les gars. C'est ce qu'on veut. On veut des gens qui s'entraident. On veut des gens qui aident les autres à évoluer. On veut des gens qui laissent. C'est pas pour rien que j'ai posé la question à Nathalie que est-ce que tu as quelqu'un qui peut dire je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à moi? C'est important. C'est important parce que si vous donnez même si vous donnez 1 million à quelqu'un, il y a des gens à qui j'ai déjà donné 1 million, ils n'ont rien fait avec. Mais il y a des jeunes que j'ai formés qui vont me remercier toute leur vie. Et que quand je serai dans mon lit de mort, ils vont venir dire si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cet homme, Steve Fa. C'est pour ça que vraiment, j'appelle à tous les artistes. Et quand je dis artistes, ce n'est pas seulement les artistes musiciens. Nous aussi, les vlogueurs, les blogueurs, les artistes du cinéma, vraiment, soyons unis, les gars, soyons unis. C'est pour ça que je veux encore dire à tous ceux qui ne m'aiment pas, juste peut-être parce qu'ils sont frustrés ou alors parce qu'ils sont jaloux, ils sont haineux, ça ne sert à rien, les gars. Malox, mon frère, je t'aime, beaucoup de courage. Si tu m'invites, je viens. Je viens avec toute mon équipe, on vient boire au Boivement. C'est vrai que vous n'allez jamais me voir dans les bars, mais je vais venir au Boivement juste pour te dire que, mon frère, on est ensemble. Nathalie Kwa, ma puce, je t'aime, tu es une femme forte. Tu as subi beaucoup de choses que beaucoup de gens. C'est pour ça qu'à chaque fois, demande à tous. Mes élèves sont là, si vous pouvez, si vous mettez en commentaire, que chacun mette en commentaire. J'ai toujours cité Nathalie Kwa dans mes formations. Parce que c'est une femme qui a su montrer aux Camerounais que voilà, j'ai dû endurer des choses pas très catholiques. Mais voilà, je me suis relevé et je suis une femme. Je suis une femme ambitieuse qui a des entreprises et tout. Moi, je ne venais pas à l'arène pour te poser les questions sur tes enfants ou bien sur tes entreprises, parce que tout le monde le sait. Je venais à l'arène pour qu'on dise ensemble, toi et moi, qu'on donne un message à ces jeunes-là qui nous regardent et qui te regardent. Ma mère, moi, je t'aime. Tous ceux qui me détestent là, moi, je vous aime, les gars. Je n'ai plus rien à gagner à détester quelqu'un dans ma vie. Je pense qu'à mon âge, je pense que j'ai accompli ce que beaucoup de jeunes ne vont jamais accomplir. Et pour ça, je rends grâce à l'Éternel, les gars. C'est pour ça que je vous prie au maximum d'aller au concert d'Indira. J'ai laissé le numéro. Ceux qui veulent aller avec moi, j'achète 10 billets VIP. Je vous donne, on va là-bas, on va écouter les louanges. On dit merci au Seigneur. Tous les jours, il faut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Je suis très fier de ce que je suis aujourd'hui. NK ma puce, oui, c'est ma puce. Je l'aime beaucoup, franchement. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé après l'émission. Beaucoup de gens pensent qu'après l'émission, on a commencé à se dire non. On a fait des photos, on s'est embrassé. Et voilà. Mon joli bouquet de fleurs, elle est rentrée avec. J'espère que c'est toujours là. Bien dans l'eau, là, au frais, à la maison. Tu salues ton mari, tu dis à ton mari que moi, je suis de tout cœur avec vous. Moi, je les soutiens. Je soutiens tous ces gens-là, en fait. Mais tout ce qu'on veut, c'est que notre jeunesse évolue et évolue de façon positive. Et je suis sûr que tel aussi son souhait. Vraiment, au fond, tous ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis pas quelqu'un de mauvais, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Donc, vraiment, les gars. Ok, donc, sur ce, la décision radicale que j'ai décidé de prendre, c'est de me débarrasser de cette veste. Pas parce qu'elle m'énerve, parce que quand je l'ai choisie, c'est ma meilleure veste. J'ai près de 20 vestes, mais je l'aime beaucoup. J'ai décidé de me débarrasser d'elle, mais de la plus belle des façons. En fait, j'ai appelé l'orphelinat Notre-Dame. Et j'ai dit, il y a une veste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors les gars, j'ai décidé de vendre cette veste aux enchères. Là, présentement en ligne. Et les enchères commencent à 10 000 francs. Donc celui qui peut acheter cette veste, c'est une collection de musées. C'est une boutique, voilà. Donc je vais vendre cette veste et le fruit de la vente de cette veste ira directement. Et là, je vais faire la vidéo pour aller remettre l'orphelinat Notre-Dame. On va aller leur remettre ça. Voilà, parce que c'est quand même une veste qui a fait le tour du monde. J'ai mon ami. Voilà. Regardez bien la veste. J'ai mon ami dont je ne vais pas citer le nom.
Bon, JP, il est en Suisse. Et Loka, il m'a dit qu'il a appelé les gars de Gucci. Et il est en contact avec eux pour que Gucci m'appelle Lyon. Quand Gucci va m'appeler, il va dire que je suis leur fidèle client, mais que j'ai vendu leur veste. Donc, on va vendre aux enchères. Les enchères, ça commence à partir de 10 000. 11 000 pour Carrefour du Congo, ça, 11 000. Sachez que l'argent, le fruit de cette vente ira tout droit à l'orphelinat Notre-Dame. On est à 11 000. On est à 11 000, s'il vous plaît. Non, non. C'est ça les enchères, on commence au plus bas. On est à 11 000, je vous en prie. 11 000. Voilà, regardez bien la veste. Elle a tout le charisme qu'il faut. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sac Mbadjok, c'est une veste Gucci faite en sac Mbadjok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sac Mbadjok, en fait, c'est qu'à l'époque, et peut-être même jusqu'à maintenant, en Mbadjok, il y a une usine qu'on appelle la Sosucam. En fait, c'est le sac dans lequel on mettait le sucre, que Sosucam mettait le sucre. C'est pour ça qu'on a, au lieu d'appeler ça le sac de sucre, on appelait ça le sac Mbadjok. Donc c'est dans ça qu'on mettait le sucre, parce que c'est un sac super solide, super rigide et super pratique, le sac Mbadjok. Vous avez vu, Louis Vuitton a repris ça aussi. Parce que voilà, ça a eu un franc succès. Donc du coup, avec cette veste, il y a 30 000 pour Olivier Tchato. Olivier Tchato, 30 000. Merci beaucoup, Olivier Tchato. 30 000. Et apparemment, il y a même l'argent à l'intérieur. J'ai laissé mes 300 000 à l'intérieur. Donc la personne allait gagner 300 000 comme ça. Olivier Tchato, 30 000. Sachez que l'argent va aller tout droit à l'orphelinat Notre-Dame. 30 000 pour Olivier Tchato. 30 000 une fois. 30 000 deux fois. Non mais Olivier Tchato, c'est pas le prix, dis donc. Arrivez au prix, les gars, arrivez au prix. On va vendre ça et ça va partir. Le Sam Banjok, c'est 1500. Ah, ok. Les habits Nike que vous achetez à 1 million, là, vous croyez que le coton qui a fabriqué ça coûte combien? Le coton qui a fabriqué ça ne coûte même pas 2 000. Moi, on vous vend l'habit. Il y a Franck Tonou qui est à 50 000. Franck Tonou, 50 000. Merci, mon frère. Cet argent est destiné aux enfants de l'orphelinat Notre-Dame. Voilà, on a utilisé un sac Mbadjok de 1500 pour fabriquer ça. Mais juste le fait que c'est une veste Gucci, voilà, ça coûte cher. 50 000 pour Franck. Franck, s'il te plaît. Allons-y, allons-y. Quelle est la taille? La taille, la taille. Quelqu'un a demandé la taille. La taille, c'est 56, la taille. Mais vous pouvez réduire. Vous pouvez réduire même à 30. Oui. 56 pour la taille. Et je rappelle que pour tous ceux qui sont là, 60 000 pour Olivier Tchato. Merci, Olivier Tchato. 60 000 pour Olivier Tchato. Allez, allons-y. Je vends, je paie, les gars. Je vends, je paie. 60 000 pour Olivier Tchato. La taille, c'est 56, mais vous pouvez réduire même jusqu'à 20 si vous voulez. 60 000 pour Olivier Tchato. Les gars, allons-y. Il y a on est là, Maché, qui est là. On est là, Maché, je t'aime. 60 000 pour Olivier Tchato. En attendant, on écoute Effie Massi. 60 000, les gars, on est resté direct dans 110 000 pour la reine Kamdou. La reine Kamdou, tu mens. La fille, si je la connais, elle n'a pas l'argent. Oh, s'il te plaît, arrêtez les blagues, dis donc. Olivier Tchato, moi, je te connais, je sais que tu as l'argent. 60 000, c'est bon. 75 000 pour Roger Tino. La ronde en foi, 100 000, c'est bon. Allons-y, on est à 100 000, les gars, on est à 100 000. Pensez aux enfants, les gars, pensez à tous ces enfants qui sont dans les orphelinats qui souffrent. Voilà. Les enfants de l'orphelinat Notre-Dame seraient fiers de recevoir cet argent, les gars. J'aimerais être votre mécanicien automobile. Ah, bon, les gars, ok. 70 000. Non, je vais offrir à mon époux. Oh, maman. 100 000 pour d'État, 100 000. Je crois que quelqu'un a déjà dit 100 000. Non, on est à 100 000. On est à 100 000. On est à 100 000. Oh, la veste Gucci, oh. Kimberly, Aïcha, 500 000. Non, oh, Kimberly, arrête ça, dis donc. Kimberly, je sais que tu n'as pas l'argent. Oh, c'est pas la blague. David Abbas, bonsoir. David Abbas, le gars de Nathalie quoi, le gars Facebook de Nathalie quoi. Allons-y rapidement. 120 000, je prends pour mon chéri. Betty Akomo, 120 000. Betty Akomo est à 120 000. Betty Akomo, 120 000 une fois. 120 000 deux fois. Montre l'étiquette Gucci. Ah oui, ça je n'ai pas expliqué aux gens. Les gars, je vais vous dire la vérité, non. Il y a ce qu'on appelle une gifle automatique. En fait, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que la personne vous a giflé, non, et que soit vous avalez seulement, vous restez tranquille, soit vous trouvez un truc qui va quand même un peu diluer la gifle. Donc, quand il m'a dit que, gars, une veste moche, et ça m'a dit Gucci. En réalité, gars, c'est Gucci, mais le Gucci là, c'est avec CH, les gars. C'est Gucci, mais le Gucci là, c'est avec CH. Gucci Adibos.
Mais c'est une belle veste. Je l'ai achetée à Dubaï. Je l'ai achetée à Dubaï. C'est une très belle veste. Moi, j'aime la couleur rouge, si vous avez remarqué. J'aime la couleur rouge et la couleur blanche. Donc, du coup, c'est un mélange des deux. On est à 110 000. On est à 110 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 110 000. Je veux Akanje Temat Aka. 200 000. On a 200 000. Frantonou, Frantonou, 300 000. 300 000, Frantonou. Frantonou. Rassure-nous que tu es sérieux, s'il te plaît. Rassure-nous que tu es sérieux. On va arrêter les enchères. Frantonou, rassure-nous que tu es sérieux et on va arrêter les enchères. Frantonou. 300 000. Dès que tu me dis que tu es sérieux, on va dire 300 000 une fois, 300 000 deux fois. Dilano, s'il te plaît. On ne blague pas, s'il te plaît, Dilano. Dilano, s'il te plaît, on ne blague pas. Frantonou, s'il te plaît, rassure-nous, rassure-nous. Voilà, les gars, c'est Gucci. Oh, mais on a fait le buzz, on a surfé sur ça. On a réussi à placer les produits. N'oubliez pas le lien de l'application. Chat et Yamo, j'ai laissé ça en commentaire, vous allez voir. Frantonou, rassure-nous. Frantonou, rassure-nous. Frantonou, rassure-nous que tu es bel et bien à 300 000 et on arrête les enchères. Frantonou, s'il te plaît, rassure-nous. Ou alors s'il y a quelqu'un d'autre qui fait une proposition plus alléchante, ça va tout droit aux enfants de l'orphelinat Notre-Dame. Allez les amis, une dernière proposition. Une dernière proposition, s'il te plaît. Dilano, s'il te plaît. Dilano, s'il te plaît. C'est pas la blague. Tu crois qu'on a eu une réunion au bureau par rapport à ça? Je t'ai dit que c'est pas la blague. Frantonou, est-ce que c'est bon? 400 euros, est-ce que 400 euros dépasse 300 000? Je ne pense pas. Donc Frantonou, dis-nous, est-ce que c'est sérieux? Si c'est pas sérieux, 300 000 sac Bako. Mon frère, c'est un sac Bako Gucci. Gucci, s'il te plaît, Abbas David. Est-ce qu'il y a une proposition plus alléchante? Là, on va finir le direct. On va terminer le direct. On va finir le direct. On va terminer le direct. Est-ce qu'il y a une proposition plus alléchante? Ok, d'accord. Bon, voilà. On va à 700 000 juste pour ses enfants. Laetitia Ambo. Waouh, Seigneur Jésus. Laetitia Ambombo. Ambombo, voilà. Laetitia Ambombo. 700 000 juste pour ses enfants. Alors, Laetitia Ambombo. Voilà le numéro, Laetitia Ambombo. On ne va pas finir. On va dire 700 000 une fois pour Laetitia. 700 000 deux fois. 700 000 trois fois. Adjugé vendu. Laetitia, s'il te plaît, le numéro est là. Tu nous écris et tu vas rentrer en possession de cette veste. Tu m'as dit que c'est pour les enfants que tu le fais. Merci beaucoup pour cette charité. Merci beaucoup d'avoir regardé ce direct. J'ai été très content de placer en même temps Chat et Yamo, qui est voilà, l'application de rencontre 100% camerounaise. Laetitia, s'il te plaît, tu nous écris via ce numéro sur WhatsApp. Laetitia, tu nous écris. Laetitia, non, on a déjà 900 000, c'est plus bon. On a déjà arrêté. Laetitia, tu nous écris. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Après, on va faire la vidéo pour montrer comment on remet le don en votre nom. Vraiment, la veste qui a fait le buzz partout dans le monde est partie à 700 000. Merci beaucoup, Laetitia. On attend ton message. Merci d'avoir regardé ce direct. Vous avez vu, on a profité pour placer quelques produits qui nous ont rapporté 800 000 aujourd'hui. On est très content parce que pour une fois, les jeunes Camerounais apprennent que voilà, on utilise les réseaux sociaux, pas seulement pour aller insulter les gens, pas seulement pour aller raconter du n'importe quoi, mais aussi pour gagner de l'argent, instruire, apprendre et apprendre à apprendre. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas le piment Nanki sur votre table. Quand vous voulez manger, c'est un piment à l'huile. Vous mettez seulement sur la nourriture directe, vous mangez. Superman, c'est la meilleure eau. N'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas aussi le conseil d'Indira. Celui qui envoie la date, le numéro est là. Vous envoyez la date et le jour du concert via ce numéro. Je vous donne 10 billets VIP. Et pour ceux qui veulent aller au concert, allez sur la page d'Indira, vous allez voir. Vous achetez vos billets et on se donne rendez-vous là-bas. On sera ensemble. Laetitia, ta veste est là, tu nous contactes. Et voilà. On n'oublie pas nos gens de Ampi Exotique. Vous voulez acheter tous les produits qui viennent d'Afrique, vous appelez. Étant en Europe, aux États-Unis, vous téléchargez l'application Ampi Exotique. Le lien est en commentaire là-bas et sur le post. Ou vous allez sur le site internet Ampi Exotique. Voilà, vous passez la commande. On remercie aussi ceux du pays, la meilleure eau. Voilà, les gars, merci d'avoir regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao. On finit avec notre fille, Effie Marcy. On finit avec notre fille, Effie Marcy. Allez sur YouTube, vous allez voir le clip. Le clip est très propre. Elle s'appelle Effie Marcy. Mes critères en cheveux gris, que les sincères, oh, ils ne
Et puis merci. Allez regarder le clip, moi j'ai vu. Merci d'avoir regardé. Vous étiez 8000, 9000, je pense. C'était un plaisir. Elle s'appelle Evie Massi. Elle chante pour les Sugar Daddy. Les gars qui savent prendre soin des femmes. Les gars qui respectent les femmes. Non, même si c'est un bien, je peux payer. Evie Massi pour vous. On me dit que Laetitia a dit 70 000. Je ne sais pas si c'est Laetitia. Ouais, Laetitia. Bon, que la personne a dit 300 000 là ou 400 000 m'écrit, pardon. Ouais, Laetitia ne fait pas ça. Bon, que tous ceux qui ont voulu payer me disent, comme ça on va choisir celui qui a le montant le plus élevé. Pensez aux enfants, les gars. Allez, gros bisous. On est ensemble.